On est en train de faire un cours de biologie avec notre prof. L'examen de cette année, on prépare très bien avec les profs, avec les révisions. Tout se passe très bien. Ça commence, ça débute bien. Et Inch'Allah, à l'école, on a organisé des révisions avec les profs. Il y a les profs qui nous assistent. On fait des révisions dans toutes les matières. À la maison aussi, parfois quand on n'a pas des programmes de révision, on se regroupe, on révise ensemble avec les amis. Deux fois, certains profs aussi qui sont dispo nous assistent. Au niveau des matières, on se débrouille quand même de notre mieux, Inch'Allah. Et on souhaite encore fournir beaucoup d'efforts, Inch'Allah, pour que cette année-là, ce soit notre année. L'année de notre succès. Présentement, là, nous sommes en train de faire les cours de biologie. Pour l'instant, les révisions se passent très bien. Nous avons organisé les cours de révision à l'école. Et après, on se regroupe entre amis pour faire des révisions, surtout pendant les soirées. Et quand on a des difficultés, on contacte les professeurs. Nous avons créé un groupe de WhatsApp. Quand on a des difficultés, on publie les sujets dont on n'arrive pas à résoudre. Et puis les professeurs nous assistent. Pour l'instant, les révisions se passent très bien. Au sein de notre établissement, on évolue très bien. On fréquente avec l'un de nos profs, meilleurs profs. On reste les cours de 8h jusqu'à 14h. On se repose de 14h à 15h. 15h30, on commence les révisions jusqu'à 18h. Dès qu'on rentre à la maison, on a un groupe pour la révision avec notre ami. De 21h jusqu'à 22h, on se repose. Vous savez, c'est dit que l'élève doit se reposer de 8h. La nuit, à l'aube, on se réveille, on biche les leçons qui doivent être présentées le matin. C'est comme ça qu'on évolue. Les parents s'inscrivent à notre éducation parce qu'ils nous soutiennent à réviser. Ils nous demandent tous les jours de réviser. Ils nous accompagnent aussi à l'école pour faire des bonnes choses. Comme on fait le BPC, les parents nous laissent réviser. On abandonne les travaux de la maison. On s'occupe de notre étude. L'appel que je peux lancer à mes amis qui font le BPC cette année, pas seulement le BPC, mais les examens, même bac aussi. Une candidate ou un candidat doit se préparer bien pour l'examen. Si tu te prépares bien pour l'examen le jour du BPC, tu n'auras pas peur. Les sujets qui viendront, ça trouvera que tu les connais déjà. Tu dois te préparer, réviser en temps. Ne dis pas que quand le moment vient, je vais préparer là. Tu ne pourrais pas. Parce que les profs préparent beaucoup de leçons. Et ces leçons-là, tu ne peux pas les réviser dans 3 jours ou bien dans 1 semaine. Il faut commencer au début de réviser.